Ce chantier consiste à remplacer un pont rail datant de 1919 et de renouveler également 2 fois 35 mètres de voies. La particularité, c'est que coupure de circulation pendant 96 heures, donc opération qu'on appelle chez nous coup de poing. Ce genre de chantier nécessite un peu plus de 5 ans de préparation. On travaille en concertation avec la ville de Reims, avec Voies Navigables de France également, et on demande les interceptions ferroviaires 3 ans à l'avance. En fait, on a utilisé le canal, la voie navigable, pour évacuer nos tabliers, ce qui nous a permis de stocker d'autres pièces, d'autres éléments sur l'avenue, parce qu'on manque un peu de place. La dernière péniche vient de partir et remonter le canal jusqu'au déchargement chez le ferrailleur. Là, on est samedi un peu avant midi. On va pas tarder à poser le pont dans une petite demi-heure. Allez, chauffeur, à la maison! On a un tout petit peu de retard sur le planning, mais qu'on va rattraper assez facilement en superposant quelques tâches. On n'a pas le droit de manutentionner des charges sur le canal avec des plaisanciers dessous. Du coup, on stoppe les péniches en amont et en aval, le temps de la manipulation des charges lourdes. Avec le nouveau pont qu'on est en train de mettre en place, ça sera plus silencieux, la voie tiendra mieux, il y aura moins de maintenance à faire et ça sera plus durable. Les moyens humains déployés sur le chantier, c'est environ 25 personnes côté SNCF Réseau qui tournent en 3-8. Et puis côté entreprise, on a à peu près une soixantaine de personnes également qui tournent en 3 postes. C'est l'un des 3 plus gros chantiers de l'année sur toute la région Champagne-Ardenne pour 2015. Le coût de l'opération, c'est environ 3,9 millions, entièrement financé par SNCF Réseau. Donc là, nous sommes dimanche soir, il est un peu plus de 22h. La voie a été posée, il reste des réglages à faire, mais on devrait gagner le pari.